Bonjour, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir au Musée Boesch. Nous allons vous présenter Shehzade, une sculpteur naturaliste. Elle vit entre Paris et l'Indre-et-Loire. Je m'appelle Charles Talotet, je suis médiateur au Musée Boesch depuis maintenant 2017 et je suis ici avec Delphine Filloux pour vous présenter Shehzade, une artiste que nous exposons dans le cadre de l'exposition « Peinture et sculpture au féminin ». Shehzade, parce que je fais partie d'une famille d'artistes et mon frère est peintre et il a gardé mon nom de jeune fille, De Sachet. Donc j'ai choisi un nom en verlan, Shehzade. Voilà, c'est un nom qui est à la fois un prénom et un nom de famille et donc passe-partout et facile à retenir. J'ai étudié à Paris, aux Beaux-Arts, également des études classiques parce que j'ai fait Sciences Po. Donc un ensemble d'études qui m'a vraiment permis de découvrir la culture occidentale, je dirais, aussi bien littéraire que artistique. Le souvenir d'ateliers merveilleux dans lequel ce que j'attendais avant tout, avoir un maître qui vous explique la beauté des lignes, comment sortir des sentiers battus et puis l'ambiance étudiante du quartier latin avec des gens tous tournés vers l'art. Je pense que la culture occidentale est vraiment pétrie de la notion de beau, et cette notion de beau, on la trouve dans la nature. Donc moi, mon inspiration, elle est pour exalter cette valeur qui est une valeur universelle et à mon avis une valeur de progrès avant tout, puisqu'elle lie toutes les cultures. Donc c'est dans la nature qu'on trouve le beau, et c'est pour ça que j'ai choisi de l'observer et de la donner à voir. Alors, j'ai pas d'animaux phares parce que, comme je viens de vous le dire, je pense qu'il faut regarder chaque animal. Chaque animal est une petite parcelle de ce beau éternel. Néanmoins, j'aime beaucoup la mer, comme vous l'avez dit, et je trouve que dans la mer, on trouve ces poissons merveilleux, fantastiques. La mer est d'ailleurs l'horizon du prochain siècle, puisque c'est encore la seule zone pure à découvrir et à protéger, parce que c'est un territoire fragile. Et les animaux marins, surtout les poissons, sont biface. Et donc pour un sculpteur qui aime raconter, ce sont quasiment des poissons paysages. On peut raconter sur les deux faces. Alors, des reliquats d'objets pas partout. Sur celui-ci, on a surtout un travail de lanière en bronze. On a des petits masques ici parce que, comme je vous le disais, le poisson, celui-ci, c'est un poisson fabuleux, inspiré des poissons de l'âge de la préhistoire, même avant ça, du début de la vie sur le monde, ces poissons qui, selon la légende et selon les scientifiques, ont donné naissance à l'homme. Donc l'inspiration, elle est de ces poissons qui ne voient jamais la lumière et quelquefois qui sont luminescents. Sur celui-ci, en termes de matière rapportée, il n'y en a pas forcément, mais il y a des traces. J'aime beaucoup les empreintes, donc il y a des traces de cire, des traces de lanière. Et puis, il y a un travail de soudure qui a été fait. Et effectivement, là, on a un agneau mystique dans un champ de fleurs. Les fleurs ont été rapportées à la soudure et puis après il y a un travail de polissage, de patine varié pour rendre l'aspect luminescent du bronze archaïque.
Alors, c'est la technique principale de la sculpture en bronze d'art. C'est-à-dire que toute sculpture passe par une cire à un moment donné. Et donc, ce qui est important, c'est que cette cire, elle va être fondue dans un moule de plâtre réfractaire. Et la cire disparaît en laissant à sa place une œuvre en bronze. Ici, cette sculpture, elle a été faite en cire directe, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir d'un moule qu'on aurait fait une épreuve, par exemple en terre ou en bois, elle a été directement créée à la main, en cire avant d'être fondue, et effectivement la cire initiale a disparu. Donc c'est une œuvre unique. J'aime beaucoup les œuvres uniques et donc je travaille beaucoup en cire directe, donc c'est des œuvres très précieuses, un peu comme un travail d'orfèvrerie. Le dessin permet d'affirmer les grandes lignes. J'aime bien aussi regarder les dessins des autres artistes. Le dessin permet d'épurer, d'avoir la ligne force que vous voulez exprimer. Et donc le dessin est très utile pour construire, architecturer sa sculpture. Dans l'art d'aujourd'hui, je me situe dans la tradition des artistes français qui, je crois qu'il y a un style français. La France est située entre le bassin méditerranéen et les pays du Nord, et donc elle fait la charnière. Il y a un style très particulier français, donc un peu plus baroque, un peu plus expressif, un peu moins abstrait que celui qu'on peut voir ailleurs. Donc je suis dans un style, j'irais d'aujourd'hui, narratif, qui reste ancré dans le contemporain. Par exemple, celui-ci raconte une histoire et au-delà de l'histoire raconte une position par rapport à la fin des temps, au début des temps, à la place de l'homme, à l'esthétique, au beau. Et vous avez deux faces, une face lumineuse, une face plus sombre, et il raconte le début et la fin de la vie sur les deux faces, avec une légende africaine d'un côté et une légende occidentale. C'est une œuvre qui est démonstrative aussi des sources occidentales primitives. On regarde toujours les sources africaines ou asiatiques, etc. Mais en Occident, on a aussi nos primitifs, et notamment dans le bronze et dans l'âge du bronze qui nous a tellement marqué en Occident. Et donc moi, j'aime bien pouvoir restituer cette émotion première, très très puissante et très forte de cet âge du bronze. Alors le prix Sandoz, c'est un prix remarquable qui est proposé aux artistes animaliers, hein, puisque Sandoz était un très grand artiste animalier du début du siècle dernier. Et ce prix permet évidemment d'avoir une certaine visibilité, mais il est pas non plus plus important que d'être connu, par exemple, comme je l'ai été par des prix au musée de la Marine à Paris, ou également le Grand Prix d'Amérique qui m'a demandé de faire un trophée. Tout ça fait partie d'un parcours, je dirais. Ce qui est intéressant dans le prix Sandoz, c'est qu'il m'a été remis pour l'ensemble de mon œuvre sur la partie marine de l'œuvre. J'ai été parmi les artistes de ma génération qui ont été un petit peu en amont d'autres artistes sur la mer.
parce que la mer est peu traitée, malheureusement, parce que c'est une très très belle source d'inspiration. Et je pense que le fait d'avoir des artistes qui ont une œuvre assez importante sur la mer a derrière déclenché d'autres inspirations et d'autres générations, ce que j'ai pu voir à la suite de mon travail. Alors, en peinture, je dirais Klimt, trois fois Klimt, parce qu'il a ce goût de l'or. J'aime beaucoup la brillance de l'or et j'aime beaucoup ses motifs rapportés. Mais j'aime également Bonnard, j'aime également Picasso avec cette œuvre multiple. En sculpture, j'aime beaucoup Henri Maure, j'aime beaucoup Bourdel, j'aime beaucoup évidemment les très grands comme Rodin. Enfin bon, il y a beaucoup de sculpteurs qui peuvent inspirer et de peintres également. Alors, ça revient un peu à ce par quoi je commençais. Je crois que l'artiste doit absolument défendre le beau. Je pense qu'on doit être plein d'espoir si on a en tête quand même cette valeur universelle. Je répète, c'est pas quelque chose d'obsolète, le beau, c'est pas quelque chose d'ancien, et non, c'est ce qui nous rattache profondément à la nature. Je crois que la crise va révéler davantage la nature et donc va révéler ces valeurs qui transcendent la vie humaine. Je pense que la crise va révéler aussi la générosité, l'écoute de l'autre, et à travers ces valeurs, on va retrouver l'art. Et je pense que l'art est là pour faire vibrer cette émotion. Quand les gens vont voir des œuvres ou vont voir un paysage, ils vont sentir le parallèle et ils vont aimer. Et je pense que aimer, c'est déjà la clé de la solution entre les gens et aussi pour la protection de la nature et pour aller de l'avant. C'est vraiment, je dirais que l'art peut être une guérison. Que vous inspire le musée Boesch? Alors, le musée Boesch, c'est une longue histoire d'amour, parce que l'artiste, on sent sa présence, même s'il y a quelques œuvres et qu'elles ne sont pas là tout le temps. On sent sa présence à cause de la mer, de ces lieux qu'il a aimés. On voit la lumière qui passe par les fenêtres et il a une peinture lumineuse, très colorée. Et j'aime la couleur. Je suis très sensible à la gaieté de sa peinture. Il y a un esprit Matisse que j'aime beaucoup. Et donc, j'aime bien être ici avec ces ouvertures sur la mer. C'est aussi l'attachement à la ville de La Baule, parce que j'ai passé des étés et des étés à La Baule. Ma famille était là il y a déjà trois générations et j'en ai gardé un souvenir, même si aujourd'hui, j'ai moi-même plus de maison à La Baule. Mais voilà, c'est un... Sont des lieux que j'aime beaucoup. Nous espérons que cette rencontre, ces paroles d'artistes vous ont passionné. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de la ville de La Baule ainsi que sur les réseaux du musée Boesch. Nous allons donner la parole à d'autres artistes. À très bientôt.